Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, on le fait encore sur le channel Paul, hein? C'est toujours même plaisir, même passion. Hein? Pour me rentrer la caillou, pour me porter pour une vidéo, une information, une analyse sous situation sociopolitique difficile à pays non Haïti a fait face. Nouvelle yon tombé dans la République avec un pile émotion. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, problème politique, problème économique, problème gaz, problème kidnapping, dossier assassinat Jovenel Moïse, c'est tout un mélodrame. En plus, l'information a circulé sous libération de nos 17 missionnaires américains ou canadiens que base 400 Marozo a kidnappé, ça a plus passé un mois. Et bon, pas de questions qu'a posé, c'est des questions qui sont censées. Il y a un gros débat qui a fait, est-ce que réellement il y a un kidnapping qui a été fait sur 17 missionnaires, qui identité 17 missionnaires ça y est, est-ce que parmi eux pas de haïtien là-dedans, même comme chauffeur qui d'habitude, et c'est des haïtiens qu'on a conduit pour missionnaires, pour étrangers ça y est, pour qui ça paye États-Unis, pas de jamais décider, faire aucune intervention pour joindre, pour aboutir à la libération et missionnaires. Donc, question est censée. Et je dis en là, après demain, paquet monde qui dit bon par rapport avec situation ça qui ça ka dit qui soit ka dit il est extrêmement important pour nous venir parler sur dossier ça et surtout dans moment que bon éventuelle libération qui fait faut nous parler sous causer kidnapping 400 Marozo. Nous songeons dans le jour passé là avocat Martin Moïse il a été adressé en requête par le commissaire du gouvernement pour exiger pour demander autopsie Gilbert Dragon, yon principal suspect assassinat Jovenel Moïse. Donc là encore, demande ça que Martin Moïse adresse, li divise opinion publique là par rapport et est-ce que c'est une bonne décision, est-ce que c'est une mauvaise décision qui obstacle li ka mené dans instruction dossier. Nous allons répondre avec toute question ça yo et c'est sûr que un paquet d'informations pour qu'on ait un paquet de dossiers qui est extrêmement important aujourd'hui là on va le découvrir m'a invité au partager vidéo nous pral parler pays nous pral faire débat c'est l'heure du débat Yannick à l'appareil pour analyser et commenter tous les jours à partir de 2h suivez sur votre chaîne mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission alors soyez les bienvenus. Dossier kidnapping 17 missionnaires étrangers, nous tous te connaissons, il n'y a pas de secret pour aucun monde là. Au moins de cela, 400 Marozo, il prend 17 missionnaires qui sont rentrés en Haïti, vin faire œuvre de charité, bienfaisance, etc. Et principalement, nous connaissons le bas côté pays États-Unis, ils n'ont pas négocié avec terroristes, ils n'ont pas négocié avec bandits, alors que pour chaque grain de monde, l'homme s'en joue et exige 1 million de dollars américains par tête. Donc là, nous avons une situation très complexe, côté que 17 missionnaires kidnappés, équivalent à 17 millions de dollars de rançon. Et la situation li paraît tellement complexe, l'homme imagine, l'homme s'en joue. La fait pression. Côté que la tue missionnaire, la fait pression. Côté que s'il pas une rançon, la peut exécuter, la fait ceci, la fait cela. Un mois passé, États-Unis pas jamais intenté et aucune action militaire, li pas jamais intenté aucune action de libération, li pas jamais fait rien sinon que conférence de presse, point de presse, informer autorités haïtiennes de démarches qu'a fait, etc. Nous avons une situation côté que nous avons posé un ensemble de questions. Est-ce que réellement, tu as un kidnapping qui est fait sur 17 missionnaires? Est-ce que 17 missionnaires ça a existé? Est-ce que ce n'est pas fiction? Est-ce que ce n'est pas film qui a fait? C'est vrai. Question ça a eu sensé, puisque la situation n'a pas prouvé l'autre bagaille, n'a pas justifié l'autre bagaille. 17 missionnaires, 17 étrangers qui n'ont pas une base bandit, un groupe gang que je dis en là. Autorité haïtienne, la police nationale d'Haïti, pas en mesure pour vraiment porter une réponse avec 400 Marozo dans plein temps. Et puis je dis, on trouve une situation côté que 400 Marozo a fait des exigences. Et par rapport avec toute exigence, ça que l'a fait. Que l'a fait autorité haïtienne, que l'a fait autorité américaine
comme quoi, soit disant, il y a un ressortissant, il y a un citoyen américain, il y a un citoyen canadien, mais il paraît flou. Il paraît flou parce que l'on a songé, 400 maraudes ont été kidnappés des Français. Ou te trouvons nous une situation, même en France, il y a des interviews qui ont fait, il y a des médias et françaises qui sont allés dans la communauté Mounsa, ils ont interviewé proches, ils ont interviewé amis. Ou te connais qui est sur tes kidnappés, ou te connais qui est sur eux, ou te connais parcours, ou te connais qui ça a été venu faire en Haïti. Par rapport avec la situation 17 missionnaires, c'est flou. Jusqu'à date là, c'est seulement Christian Aid Ministries qui d'où ces 17 missionnaires qui a metté des informations, des mises à jour sur website en façon pour qu'ils aient nous informer de ce qui a passé. Parce que depuis après dernière intervention que les porte-parole Maison Blanche ont fait, c'est silence radio. Pas de rien sous dossier intervention américaine en Haïti pour venir libérer mercenaires, ou pas de rien sous l'argent rançon, pas de rien en administration Biden. Non, c'est comme si ils ont fait profil bas de cas kidnapping. Donc je dis alors, trouvons une situation côté que 2 dans 17 missionnaires ont rejoint libération yo. Et ceci encore pour cause de maladie. Donc n'a questionné bonne volonté et l'amour sans jour, n'a questionné bonne foi l'amour sans jour, n'a questionné humanité l'amour sans jour. Est-ce que réellement nous avons une situation côté que vraiment gain 2 missionnaires qui joignent libération yo? Est-ce que tu gain 17 missionnaires qui kidnappés? Est-ce que nous pas une situation je dis là c'est pure fiction, c'est imagination. Une chose est sûre, n'a toujours été dans la logique que phénomène kidnapping non li en vogue en Haïti. Phénomène kidnapping non, c'est un bagay qui font paquet de familles crier, son situation qui met un paquet de l'eau danger, son situation et de drame, son situation qui quitte un paquet de séquelles dans vie moun yo, dans victime yo. Donc nous pas faire apologie kidnapping, nous pas trouver nous une situation côté que n'a questionné vraiment et on soi-disant humanité côté que ravisseur ou des gagne parce que kidnapper un monde, mettre un monde dans une situation côté que ou choisir fier son objet, lui mettre un prix sous tête lui, c'est inhumé, c'est une situation qui est extrêmement difficile. Encore pire, ou kidnapper un monde, on fait des services physiques sur lui, battre lui, ou faire des services émotionnels, ou violer monde, ou quitter séquelles. Ah, donc c'est catastrophique. Donc là, si vraiment tu gagnes et 17 missionnaires qui t'ont kidnappé, si vraiment 2 missionnaires arrivent à joindre libération yo, et c'est bien parce que nous pas souhaitons malheur quand ça arrive personne monde, bon situation qui est difficile, son situation qui est extrêmement compliquée. Mais la grande question aujourd'hui là, pour qui ça vraiment dans une situation côté que ou dit gagne 17 missionnaires 16 américains canadiens qui kidnappé qui nommé un groupe bandi nommé un groupe terroriste jodi nan pays an pour qui soit quitté un mois passé pour qui ça pendant mois an c'est un mois côté que c'est promesse un mois c'est conférence de presse un mois côté que même la presse américaine yo pas en mesure pour yo retracer identité victime yo pas en mesure et pour yo domi qui est même ministère côté que moun sa yo te soit disant appartenir yo pas en mesure pour yo dou mais qui est OK au cas dit c'est non souci pour protéger identité et victime yo mais par rapport avec tout ça qui éventualité qui t'a gagné si je dis là la mort sans jour te dit le fait photo laguer sur réseau social yo tout monde ta pour identité yo. Et même gens leur te kidnappé et ressortissant français yo. Tout récemment là leur te kidnappé et prêtre français donc information t'a circulé sur réseaux sociaux tout monde te connait qui est en France et communauté française côté évolué tout monde t'a fait interview tout monde te ouais tout monde te au courant de situation ça son réel cas d'enlèvement en cas de kidnapping lité tout monde te au courant mais là avec 17 missionnaires ça c'est le flou absolu c'est le flou total. Donc ça pour nous rester quoi? N'a prêté dans hypothèse côté que l'homme sans jour kidnappé 17 missionnaires. N'a prêté dans hypothèse côté que gain 2 missionnaires qui rivaient joindre libération. On a prêté dans hypothèse côté que et jusqu'à date gouvernement administration Biden n'est pas en mesure vraiment pour le dire
pour même bail la presse américaine information est-ce que tu es grand rançon qui bail est-ce que pas de grand rançon qui bail ou vient trouver une situation même qu'à vivre en Haïti ou même qu'à garder réalité ça par rapport avec auto positionnel ou vient dire tout bon on vit dans l'incertitude par rapport avec ça administration Biden n'a pas offri ou là comme réalité on vit dans l'incertitude par rapport avec ça administration haïtienne autorité locale nous yo pas en mesure pour yo ba nous comme vérité donc ni à droite ni à gauche n'a pas frappe n'a prêté là pour nous jusqu'à le est-ce que c'est 2 mois après là on va libérer en 4 parce que 1 mois on libérer 2 donc n'a suivi évolution libération en façon pour nous cerner réalité pour nous cerner qui rapport de CPJ pral qui rapport Gary Desrosiers pral venir présenter public là qui excuse yo pral venir qui ça pral venir inventer et monsieur dans situation nous y est là même responsable de CPJ yo jusqu'à date, il y a des deux dans 17 missionnaires libérés, c'est sûr que. Ou ta questionné là, il n'a pas réforme tête. C'est évident. Nous nous en situation côté que tout ça qui t'a supposé paraître et paraître visible, li flou. Et même autorité locale, nous l'autorité nationale, yo pas en mesure pour yo comprendre ça qu'a fait là, yo pas en mesure pour yo déceler la vérité derrière mise en scène ça qu'a fait sous administration Biden, qu'a fait dans mitan administration Biden dans dedans pays parce que réalité yo créé de toute pièce, jodi an la institution républicaine yo, la justice pas fonctionner, la police pas fonctionner, donc yo pas gen pouvoir pour enquêter, yo pas gen pouvoir pour chercher information, yo pas gen pouvoir pour reconstituer pozol la. Pour yo connait effectivement, seulement yo connait, yo dou on bon matin là ambassade la dou gen 17 missionnaires pas attendre nouvelle yo kidnappé yo. Mais qui feedback ou gagner? Qui information que DCPJ te cherché? Qui dou oui tout bon que 17 missionnaires yo pas attendre yo mais qui leur rentré mais qui côté yo te fait mes parcours etc. Donc c'est extrêmement important si vraiment nous te un pays qui t'a fonctionné ou t'a bien ministère de l'intérieur qui dou mais qui leur rentré mais qui leur 17 missionnaires ça yo rentré mais qui leur te dit yo pour aller mais qui ça yo te vinn faire est-ce que nous comprenons? Ou tande yo djou yo vini yo t'ap pral investi yo t'ap pral fè et œuvre de bienfaisance dans telle zone dans telle communauté al enquêter sur le terrain pour konnen qui ça yo te vinn fè depuis qui l'heure yo te konté vini depuis qui l'heure yo là pour qui ça c'est dans moment ça même yo prend etc. Donc information ça yo crucial information ça yo extrêmement important et c'est ça qu'il faut pral comprendre que tout le monde qui a posé question, qui a doute, qui a incertitude par rapport avec kidnapping 17 missionnaires, ça, ils ont fondé. Doute, ils ont fondé, incertitude, ils ont fondé, parce que même nous, même qui avons gardé la réalité, même nous, même qui avons cherché à comprendre la réalité, ça, il paraît flou. Nous, dans le flou. Donc, pas juger un monde, je dis, qui dit, est-ce que tout le monde a kidnapping 17 missionnaires? Par juge un monde qui dit mais pour qui raison États-Unis qui ton mois passé le pas venir libérer moun yo alors que principe là pas négocier avec terroristes yo mande $1 million par tête de personne si yo pas joine y a tué y a fait ceci y a fait cela voilà la réalité et pour qui ça nous nous situation côté que leur a pli information qui a circulé dans Miami Herald on comprendre que 2 dans 17 moun yo libéré sans rançon. Donc on va dire que et Jean Lambert s'en joute attaché avec $1 million li ça, li gèt changé fusil d'épaule ou bien le peuple pour pas mourir dans mel. Bon li même en bouche il était paré pour le touyer aussi le pas jeune dans son. Qu'on y a pour cause de maladie tellement le peuple tellement l'effrayé, li libéré moun yo. Donc c'est suspect, c'est flou. La vérité est telle que jodi an là. Le fait que une administration Biden nan, qui autant influent, qui autant présent dedans pays, qui a présenté nous ça yo vle comme stratégie pour faire et pour retirer nous dans un dossier, mettre nous et ça fait toujours un médil. Il y a toujours une affaire dans l'affaire avec moun sa yo, avec monsieur dame sa yo qui dans communauté internationale là. On a toujours nous en situation côté que de pouvoir focus sur un dossier, on a saisi ouais. On saisit le dossier Jovenel Moïse là, a toujours des situations qui impliquent les États-Unis là-dedans, qui a toujours paraître pour retirer focus nous.
Il a retiré focus nous complètement, il a mis sur kidnapping américain, il a mis sur alerte qui a augmenté. J'ai l'impression à cause Haïti département d'état américain pour le mettre au niveau 5 au niveau 6 en façon plus lourd et aucun bien Haïti en alerte focus sur Haïti pas rentrer Haïti pas bon, Haïti pas bon. Yo créé situation yo créé problème yo mettez nos côtés nous ni là alors que autorité nous yo pas en mesure pour comprendre jodi en là tout ça haïtien mandé tout ça haïtien exiger c'est remettre camp institution démocratique yo permettre à ce que la justice fonctionne permettre à ce que la police et autosuffisant pour répondre avec et mission protéger servir li créer une corrélation différents ministères qui impliquent dans sécurité intérieure, créer une corrélation, créer une synergie entre différents institutions ça qui là pour bailler population service, qui là pour protéger vie monde, qui là pour protéger bien monde, c'est ça nous besoin. Nous pas besoin discordance ça, nous pas besoin chire pit ça, nous pas besoin bataille ça, nous pas besoin stabilité politique continue ça parce que le pas créer l'autre bagaille que insécurité, li profite avec un groupe moun dedans pays, nous tout connait déjà. Donc kidnapping fait et deux missionnaires jeune libération yo. OK, c'est bien et c'est très bien même. C'est très bien dans l'éventualité côté que l'État existait, dans l'éventualité côté que l'amozan jouta changé fusil d'épaule, et parce que pas gen moun qui méritait a subi zak kidnapping, a subi et violence corporelle, violence émotionnelle en bas même bandi, en bas même assassin en dedans pays. Ou pral comprendre que tout dossier ça yo pa gen l'autre objectif lan c'est retirer focus sur parisien sur dossier Jovenel Moïse. Dossier Jovenel Moïse, il assassiné dans un contexte et politique, dans un contexte économique, dans un contexte côté que gen son crime transnational, différents pays, différents ressortissants l'autre pays, jodi an la États-Unis nan ron sant lan et toute question yo, tout regard tout moun ni tourné autour et des Américains qui yo même et gen différents mercenaires qui prend formation la kayo qui yo même et a caché et côté que Sami Randal té, yo pa jam décidé arrêter Sami Randal en relation avec agence FBI. Donc là, on dit tout Jovenel Moïse mouri pour détouger l'haïtien prend courant pays d'Haïti frappé, souveraineté pays nous frappé, le frappé pour lui seul. Martin Moïse, avocat Martin Moïse, yo té adressé en requête by commissaire du gouvernement. Non contexte côté que yo mandé autopsie Gilbert Dragon, li mouri avec COVID. Et information fait quoi que Gilbert Dragon, malgré que médecin t'es alerté sous situation santé, malgré que dans cette pénitentiaire, yo connaît Gilbert Dragon t'es dans une situation extrêmement difficile, yo kembel là, yo kembel jusqu'à ce qu'elle mouri. Donc, requête Martin Moïse dit adressé par le commissaire du gouvernement. Requête là dans lui-même li fondé par rapport avec nécessité qui gagne pour yo connaître est-ce que réellement Gilbert Dragon li mouri de cause naturelle, li mouri de COVID ou bien c'est un assassinat. Mais tout, ou pral gen occasion pour tande et mettre Patrick Laurent qui a parlé, qui a expliqué toute démarche Martin Moïse, toute démarche avocat Martin Moïse dans dossier ça. Le fait que Martin Moïse jodi an la, li adresse requête lan, li gen deux facettes. Li gon facette pour instruction dossier. Hein? Si vrai que Gilbert Dragon ta mouri dans des conditions non élucidées, li ta mouri parce que c'est pas COVID qui touye le, mais autant découvrir l'autopsie fin fait sur assassinat. Donc là, ça pral prouver que gen moun kap cacher la vérité, gen moun kap instrumentaliser cette pénitentiaire pour yo même pour yo éliminer moun ki suspect yo, pour yo éliminer moun ki gen pouwe avec dossier. Donc là, li tap on raison de plus pour justifier que dossier Jovenel Moïse son dossier qui fragile, li tap on raison de plus pour justifier nécessité ki gen pour protéger moun sa yo ki nan détention nan pénitencier national. Et tout là, deuxième facette qui gagne, c'est que nous gagnons
Là, on prend le cas de Saint Mirandal, là, on prend le cas de Palacios Palacios, et différents l'autre monde aujourd'hui là. Là, on prend le cas de John Joel Joseph, ou prend Joseph Badjo Félix, ou prend président PHTK, Liné Baltazar, ou prend situation juge Coulan de cour de cassation Wendell Tello. Moun sa yo en cavale, yo cherche yo pour que j'aime ka jeune yo. Imaginons yo ta arrêté yo dans un pays étranger. Ou pral kon ou non situation côté que moun sa yo, avocat moun sa yo, même avocat Samir Randa jodi an la, nous non situation avec le fait que Martin Moïse li vin mete, li leve yon doute par rapport avec l'an moi Gilbert Dragon, ça justifie en bagay. Ça justifie si on pays ta dou jodi an la, li pral choisi pa remettre et yon moun ki yo arrêté dans situation dans cause assassinat Jovenel Moïse. An, yo ka utiliser demande Martin Moïse fait de requête li adressé par commissaire du gouvernement pour yo même pour yo faire obstacle. Faire obstacle comment? Pour yo soulever hypothèse côté que ou mandem pour me voyer par exemple Samir Andalba ou non situation côté que et gen suspect kap mouri pénitentiaire national non par contre qui cause yo mouri et voilà que Martin Moïse qui constitue le parti civil au procès qui constitue parti civil dans le dossier li oblige à mander autopsie parce que situation Gilbert Dragon mouri en son situation qui douteuse. Donc là pays sa yo avocat moun sa yo ka soulever exception sa yo. Donc là on va le comprendre. On va le comprendre que requête Martin Moïse li adressé li gon bon côté kon sa tout li ka créé un obstacle, li ka créé un obstacle avec reste déroulement instruction dossier différents moun ki ta gagné pour yo venir pour yo tande yo là-dedans. Et ça pour retenir, ça qui est extrêmement important aujourd'hui là. On va comprendre que Gilbert Dragon li mouri pénitentiaire, li mouri non en situation de détention côté que yo fait qu'on est li attrapé Covid, li prend Covid 19, OK, pas de problème. Mais Gilbert Dragon, Martin Moïse adressé requête là, mais Martin Moïse il pas aucun lien de parenté, il pas aucun lien avec Gilbert Dragon. Donc là Martin Moïse vient adresser requête là, avocat Martin Moïse yo adressé requête là à la mauvaise personne. Il ne fallait pas adresser la requête au commissaire du gouvernement étant donné que le constitué parti civil dans procès, hein, donc il fallait le faire par devant le juge d'instruction Gary Aurélien. Donc est-ce que ça li pral constituer yon comment dirais-je, li pral cause un problème avec requête là, est-ce que Martin Moïse, est-ce que avocat yo pa gen gen de cause etc. Donc là on prend le temps de nous pral garder ensemble avec moi et mettre Patrick Laurent qui t'a intervenu dans l'émission matin là non magique 9. Il pral bon tout détail yo pral gen occasion pour qu'on ait de A à Z démarche Martin Moïse, est-ce que yo justifié, est-ce que yo fondé, qui ça ka fait, qui ça pas ka fait. Rete là vinn pran bête, vinn pran bon gen information. Ou gen intérêt pour ça? Alors, ça nous a dit, depuis qu'il y a un mot suspect ou un mot violent, le commissaire gouvernement, lui-même, dans 4 articles 4, pour des suspects criminels, là, capable de faire assister, de, par exemple, de médecins légistes. Et il est capable de demander autopsie si son mort suspect qui est capable de pouvoir avec un assassinat ou un empoisonnement, par exemple. Mais maintenant, si le commissaire gouvernement n'a pas demandé, qui est une qualité pour demander ça? C'est le monde qui est en droit. Les ayants droit, dans quatre personnes qui mourent, c'est capable d'hériter le monde qui est mourir, qui a besoin. Qui est un petit qui mourit, qui est un frère mourir, qui est un papa mourir, dans le cadre contraire où tu as fait enquête. Mais dans le cas où tu as parlé là, son dossier qui est déjà dans le cabinet d'instruction, si on parle qui est intéressé, si on parle qui fait dans le dossier, c'est que tu as adressé à juge d'instruction. Et que juge d'instruction lui-même, il a décidé si oui ou non il est nécessaire pour lui faire une autopsie. Mais ça nous a dit là, son fenêtre à double cloche, si on fait autopsie, et puis on a une compte, c'est principal ouvert, on l'autre enquête. Parce que si on a une compte, c'est un assassinat, c'est un projet de manier, il y a une poursuite qui peut le faire contre le monde qui est capable de complice le cas. Ça va être un autre dossier qui peut l'ouvrir. Et c'est un à ma double cloche tout. Ça a vu montrer que les prisonniers, moun yon qui est suspect dans le cas d'assassinat, ça n'a pas de sécurité tout en Haïti pour vivre. Donc là, ça a pensé que c'est l'antigène
y a fait des débats politiques, des débats là-dedans, mais il y a caché le dossier dans ce sens-là. Parce que imaginons que la Colombie a décidé de dire, mais il y a tout le monde qui a arrêté dans quatre dossiers en Haïti. Et ça, la suspend, fait ça, t'as carré les assistants et consulaires, ou t'as ou assistants diplomatiques, fait ça, qu'on a systématiquement en Haïti, à pas attirer des gens qui impliquent dans le dossier. Moi, c'est question à Amadou le Flancheur. Je pense que les gens qui sont très imprudents, qui ont carré une barre à sa publique, qui ont demandé d'autopsie à faire, puis ils ont même inquiet pour les gens qui sont en prison dans quatre dossiers. Maintenant, est-ce que c'est ce que vous avez expliqué nous là, M. Laurent, et avec comme hypothèse, Léo Talga des cas spécifiques n'a pas parlé là, qui c'est Gilbert Dragon. Si vous avez pas mouru de mort naturelle, de maladie, t'as gagné un mec qui cachait d'elle, ça va demander pour vous instruire le dossier ça, et pendant ce temps, vous quittez en état latent et dossier Jovenel Moïse, c'est quoi ça nous rappelle? Non, il y a un dossier qui t'a parlé sur parallèle, laisse le tapon cas d'assassinat ou de poisonnement, que le commissaire gouvernement a supposé mettre l'action publique en mouvement. Et tout le monde qui est capable de complice le cas, ça, du sens, il va un cas parallèle, qui est désigné l'autre juge d'instruction pour lui. Parce que là, son cas parallèle, on cas d'empoisonnement ou bien d'assassinat. Ok, maintenant, et pour Martine Moïse qui m'a dit, et puis au faire autopsie, qui intérêt le gagner à quelconque résultat? Quel soit le résultat que tu as sorti? Bon, quel que soit le résultat que tu as sorti, il a probablement besoin d'établir l'hypothèse, c'est que il y a disparu moun qui t'a capable qu'a dit qui pas explication qui j'en l'en mort ça s'est passé pour montrer que probablement que moun ça pas en sécurité pour dans force de sécurité mais que comme tout ça ça sont à ma double tranchante il t'a montré que même moun qui t'a étranger qui t'a arrêté les autres suspects qui a dit pas pour en Haïti parce que moun ça c'est pas juste pour qu'a une fête c'est l'en mort qui prend. Donc, c'est un sujet qui est très délicat, c'est pas des bagages pour traiter comme ça et sous la voie médiatique. Enfin, on a posé un acte du dossier, ça, faut que tu aies réfléchi en pile. Parce que tu as gardé le dossier à la main ou tout. Maintenant, je vais me tourner sur la première question. Est-ce que Martine Moïse, lui-même, Ligue doit faire ça? Et lui fait à qui qualité le fait? Oui, c'est ça qu'on dit. Si tu n'as pas fait la qualité de participer, tu as adressé la juge de fiction. Okay. Parce que aucun cas n'a pas de qualité pour lui être capable de demander au commissaire gouvernement faire directement parce que le pas de monde qui mourir. Ah, ok. Maintenant, c'est avec juge d'instruction pour le faire demander ça. C'est ça avec ce qu'il y a là. Comme partie civile au procès. Et parce que si c'est dans le cadre de l'enquête, parce que l'enquête là, pas nommé le commissaire gouvernement encore dans le cabinet d'instruction. Hey, aucun problème, bang? Bagay la piti. Rete la pale. Zest of Moringa pote solution. 15 outils, c'est pour mal pour l'an même. Ça pral permet ou rallonger peni. Bal longueur vle, épaisseur vle, pour moun vle. Nan 90 jours seulement, solution nan même. Pardon yam. Et ou même qu'a fait revenir. Ah, madame n'a pas avlo nan kay la. Kout ki lot fait pou pou. Ou fait bek atè? Eh bien, pas inquiète, solution là. Gebon yon traitement 100% naturel pendant 90 jours. Tout bek atè fini, zafo réglé nan bon ti mami. Tout garçon ka utilisé entre 15 à 75 ans. Ou pas besoin peur. Produit 100% naturel, yo testé et approuvé. Relé nan 514-886-9776 ou bien nan 37-55-46-06. Ou bientôt, passez sur le website lan www.zestofmoringa.com. Suspend plein. Zest of Moringa, c'est solution. Donc là, maintenant, après vidéo, ça nous finit de regarder là, après toute information, ça nous finit de joindre là. Nous avons de quoi nommer, nous avons parlé de dossier Jovenel Moïse, nous avons parlé et de requête Martine Moïse adressée par devant commissaire du gouvernement. Nous avons ensemble d'éléments d'information, mais nous qui avons
aider nous comprendre, aider nous positionner nous par rapport avec et réalité ça, réalité politique, réalité et comment dirais-je, réalité ça qui très controversée en dedans pays en sous dossier de l'homme Jovenel Moïse, côté que gè autorité cap barré la justice, gè nèg dans secteur privé cap barré la justice, gè nèg dans communauté internationale là yo même qui extrêmement influent qui empêche la justice fait travail yo. Donc là on gè de quoi pour vraiment positionner et on va comprendre que ça qui a passé en dedans pays. On va comprendre que effectivement la justice gagne problème. On va comprendre que dans ça qui gagne pour avec procédure, dans ça qui gagne pour avec délai, gon paquet entrave, bagaille ça constitué dans système pénal là, dans chaîne pénale là. Et de même, ou même jodi là qui t'a trouvé dans une situation côté que tombé ou victime d'une autorité, ou victime d'un gros chabrak en dedans pays. Et la justice est déjà tellement corrompue, on dirait que c'est ça pour vous prendre, c'est montagne pour monter, c'est prier pour prier, ou bien on a l'avocat. C'est comme ça le principe là en Haïti. C'est comme ça le principe. Comme toujours, je dis, émission mon éditorial, c'est pas seulement information et formation. J'ai une mission pour toujours chercher pour te bailler public là, tout ça qui est bon. Eh bien, je dis à la, je vais présenter les produits Rosa. Rosa, c'est une entreprise locale 100% haïtienne qui a évolué, nan mette sous marché à bon genre produits de qualité. Ou ap jwenn spaghetti nan produit Rosa, ou ap jwenn du riz jaune nan produit Rosa, ou ap jwenn macaroni nan produit Rosa, ou ap jwenn savon lessive nan produit Rosa. De pou tande parler de Rosa, ou gen tan wè produit de qualité, ou gen tan wè bon prix, ou gen tan wè bon produit. Et bien si me choisi vinn présenter au produit, me choisi parler de lui, c'est parce que li bon. Pendant n'a corré production locale avec Rosa, n'a tout profité pour ses dos. Oligarque yo pour ses dos, nèg sa yo qui accaparé yo et marché économique là depuis bien longtemps, c'est celle yo même qui ka fait business, c'est celle yo même qui ka entrepreneur, et bien avec produit Rosa nous vinn ba yon riposte. Donc ou même qui à l'étranger qui intéressé pour ba yon zanmi, yon fami, yon business en Haïti, ou ka contacter entreprise Rosa nan 28 13 01 40 ou bien ka toujours relé nan 36 99 94 02. Ou ap jwenn du riz, ou ap jwenn spaghetti, ou ap jwenn macaroni, ou ap jwenn savon lessive. Donc là, ou gen 4 ingrédients on moun ka vann, ka commence un business avec, donc pas hésiter. Moi-même faire confiance, manger du riz, me tester du riz, li pa bwa de l'eau, li pa bwa l'huile. Donc bon bagaille. Donc ou gen intérêt pour contacter, ou gen intérêt pour tester produit yo, et très bientôt là, on va commencer vin avec produit Rosa yo. On va venir porter cadeau pour, on va venir faire tester, on va venir faire goûter, tout pas inquiéter nous. Donc là, pas hésiter contacter entreprise Rosa et pour plus d'informations. Et gros l'autre dossier qui a fait un paquet actualité sur toile là là. Mes amis qui a dit on va pas parler de ça, on va pas position. Moi même d'habitude c'est pas bagarre moi même fait. Rentrer dans conflit et qui gagne. Sinon que vinn di moun yo mettez de l'eau dans du vin yo parce que nous en pays côté que la presse son quatrième pouvoir lié. Nous là pour former population, nous là pour informer population, pas quoi je dis, c'est nous même qui a metté et division, c'est nous même qui a créé clan, c'est nous même qui a déclenché en guerre médiatique, c'est nous même qui a déclenché en division dans la population. Donc les problèmes qui oppose je dis, litige qui t'a opposé soi-disant et RTVC avec Zénith, ou Nicolien avec avec Patrick Monsignac, c'est moi je dirais que c'est tout bonnement c'est incroyable parce que c'est anciens amis, anciens collaborateurs, moun yo régler bagay yo ensemble, moun yo kon chita ensemble, parler ensemble, boire ensemble, je dis là qui ça ka mete division. Ça c'est yo konnèl, li pa forcément, li pa probablement ça k'ap véhiculer information k'ap circuler et comme croisé parce que le prend li embauché l'autre monde qui sont dans Zenith etc. Donc problème moun yo c'est moun yo konnèl, moun yo c'est de grand monde
Yo kon traverse la rue pou koyo, yo kon bien, yo kon mal, yo kon tout sa ka krasé peyen, yo kon tout information ka véhiculé ki ka causé problème dans la République, yo participé nan bay la République j'arrête, yo participé nan bay nan mette la République à genoux. Donc jodi an la nou nou en situation côté que faut que la justice prenne note. Faut autorité judiciaire yo prenne note, gon ensemble information ka prend la rue, gon ensemble de témoignages qui prend la rue, gon ensemble et aveux qui prend la rue. Donc là, pas quoi on l'autre fois encore nous pral quitter et la justice pral quitter bagay ça passer sous silence, autorité concernée pral quitter bagay ça passer sous silence. Jodi an la traitons mon El Chapo, traitons mon et Pablo Escobar, El Chapo, etc. C'est affreux, c'est affreux parce que nous connaissons qui ça moun ça représente dans la société, ancien drogue dealer et moun qui vraiment fait société en mal. Considérer tout comme ça, bien traiter un moun comme ça, c'est faut que la justice enquête, faut qu'il y ait enquête qui fait, faut qu'il y ait travail qui fait de façon à ce que lumière en fait ce bagage ça. Donc là, moi-même, c'est tout ça que je pour me dire, bagage pour m'entrer plus fond, pas qu'on bagage moun et nous dit exactement et ça tête nous guider, nous à cœur nous guider, nous à l'esprit nous guider pour nous dire dans dossier ça. Gain l'autre bagaille qui est extrêmement important. Depuis après et leader Genève l'a fin décidé que la baille population en chance, il va débloquer vaoureux, mon ca circuler al prend gaz, camion de distribution ca distribuer gaz etc. Nous trouvons nous dans situation côté que dans Fontamara toujours gen camion kap détourné. Nous rivons dans situation côté que jodi an la toujours gen bandi nan artisan kap détourné camion gaz. Et pas gen vraiment certitude. Malgré ça, malgré tant de gen des millions de gallons d'essence qui disponible qui sorti nan vawe, nous toujours trouvons nous dans situation côté que pompio pa ka alimenter moun de manière et de manière comment dirais-je, tout pour tout moun, pour toute pompe t'a fonctionné pour tout le monde, t'a joué une gaz ou passé en bas pour pouvoir jouer une gaz ou passer l'autre. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce qu'on trouve une situation, moun yo stocké gaz yo. Yo stocké gaz yo parce que yo connaît. Yo apprendre que autorité l'état yo pral monter gaz parce que gaz dans le monter sur marché international là. Et déjà, il y a calcul qui fait côté que l'état haïtien perdu plus passé 8 millions de dollars. De dollars de subvention parce que subventionner gaz n'en pompe pour rien qu'arrêter Jean Lier. Donc là, gros paquet de pertes qui fait déjà avec situation pays loxa qui se passe à là, rien pas fonctionné, l'argent pas rentré dans caisse l'état, l'argent pas rentré la douane. Donc yo repenser bagay yo en façon pour yo augmenter prix gaz. Donc non, jou k'ap vini là pas étonné que gaz li augmenté. Et déjà il y a gros et plaidoyer qu'a fait là non seulement pour gazan remonter dans pompio mais pour empêcher république voisine non république dominicaine pour empêcher à ce que dominicain parce que gaz a été monté en république dominicaine pour empêcher à ce que gen dominicain qui t'a venu sous frontière à acheter gaz rentrer la caillou pour aller revenir gen ça touré pas ouais la caillou nous pensait pour nous passer la caillou j'autre pibon non c'est même coup de bâton bagay yo. Et donc il est extrêmement important pour nous rester focus sur information ça yo et au moment opportun côté que autorité locale yo pral sorti circulaire pour et afficher nouveau prix donc ou même tout à informer de toute bagay ça yo au moment et en heure ponctuel. Donc là, et pense tout ça que t'es pour dire, yo ti, tout ça que t'es pour ouais, yo ouais dans l'émission jodi là. Rendez-vous en l'icassé pour demain, sur même chaîne, non, même le a des micro présentations. C'est toujours même Yannick la même voix, rien pas changé. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien on agit. Désespoir, de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, on dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle épée, nous bras le fait débat, c'est toujours même.
C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.